Avant un petit entracte bien mérité, on va devoir avoir un petit moment d'émotion, parce que les plus observateurs d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il y avait un petit rebord noir sur ma trompette. Et vous avez pu lire également sur le programme que ce concert était dédié à Maurice Truquebuche. Alors, qui était Maurice? Ben, c'est très simple, c'est celui qui a appris à jouer l'instrument à Dominique, là-bas, c'est moi-même. Il s'est éteint cette année, à l'âge de 90 ans. C'était un mineur qui a voué sa vie à la musique. Ça va être assez compliqué pour moi, je suis désolé. Mais on se devait de lui rendre hommage. C'est toujours compliqué de définir quelqu'un en deux mots. Mais avec Maurice, c'était possible. Et ces deux mots, c'était patience et gentillesse. Patience, parce que quand on a moi comme élève, il faut être patient. Voilà. Il avait l'habitude de nous écrire des morceaux pour nous faire travailler. Et j'ai retrouvé l'un d'entre eux, un tango qu'il avait composé lui-même pour sa femme, Ceslova. Oh, c'est une poumonée, hein, désolé. Ah, ça veut dire Cécile. Bon, c'était la Sainte Cécile hier. Alors, il avait écrit uniquement la partition de trompette et Sophie, ici présente, a réussi à créer un arrangement afin qu'on puisse tous jouer et lui rendre hommage. Donc, rien que pour ça, vous pouvez déjà l'applaudir. Alors, à l'enterrement de Maurice, son fils m'a fait un énorme cadeau. Il m'a offert sa trompette. Donc on va vous interpréter son morceau et je vais jouer avec sa trompette. Je vous demanderai juste une petite chose, c'est à la fin du morceau, j'espère que vous allez applaudir, vos applaudissements ne vous seront pas dirigés, mais on les enverra vous, si vous voulez bien. Le titre du morceau c'est « Je t'aime encore ». Ah!